Gros bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente aujourd'hui une villa ou maison si vous voulez située pas loin de la mer dans la direction Tarazut en venant d'Agadir, centre-ville. La maison elle est située à 7 minutes à pied, je dis bien à pied de la plage, de la mer, à proximité de tout commerce, Vallée du Paradis aussi pas loin, en voiture pas à pied, mais on parle de vraiment de 20 minutes en voiture. L'essentiel c'est qu'il y a la plage à côté, vous pouvez habiter, vous pouvez faire Airbnb, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le bien, comme je vous dis tout le temps, il est déjà sur d'autres sites. Par contre, pas au même prix que je vous le propose. Sur d'autres sites, il est à 150 000 euros, il est à 160 000 euros. Et moi, je n'ai pas ce prix-là. Je suis en chasse de biens immobiliers. Donc, je suis sûr que vous oubliez ces prix-là. La maison appartient à un couple français. Le mari il est mort il n'y a pas longtemps. Donc c'est sa femme qui vit là-dedans. Donc il souhaite vendre. Voilà, partir. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous ai apporté ce bien. Car c'est vraiment une affaire. Comment dirais-je? Le bien composé de jardin, place de stationnement pour la voiture, rez-de-chaussée composé de petite véranda pour manger à l'extérieur, barbecue, cuisine, chambre, un grand espace à vivre au rez-de-chaussée, une débarras. Plus là, à l'étage, on retrouve trois chambres indépendantes. Au premier étage, avec une grande terrasse, avec une toit terrasse. Et la maison, donc il a cette entrée-là. Il a une autre entrée là, juste en face. Donc, je vais vous montrer un peu la maison de l'extérieur, mais pas beaucoup. Voilà, Bougainvilliers, on rentre, on retrouve donc tout l'espace extérieur. On va commencer par cette partie-là, donc barbecue, cette véranda. Voilà, avec des portes-fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Voilà. Et la fenêtre là, c'est la fenêtre de la cuisine qui est donc sur ce côté-là. Il y a moyen d'ouvrir pour avoir un accès directement sur la véranda. Les propriétaires actuels, ils ont préféré garder une entrée pour la cuisine directement, accéder là, manger sur la terrasse, etc. Donc vous avez le choix. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer par l'accès principal de la maison pour mieux comprendre. Alors, ce que je viens de vous montrer là, c'est ça, véranda. Ça, c'est la cuisine. Donc, on va passer par l'entrée principale qui est là pour commencer la vidéo et mieux comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous stoppez la vidéo, vous envoyez, prendre mon numéro. Que je vais afficher sur le titre du bien. Là, vous posez toutes vos questions en WhatsApp ou sur le commentaire. Je vous répondrai. En tout cas, c'est une bonne affaire. Restez avec nous. Venez découvrir ce petit bijou. Donc, en rentrant, tout de suite, sur la gauche, on retrouve un placard de rangement. On arrive sur une grande pièce
grande pièce à vivre. Un petit patio. Travailler, plafond, travailler à la main. Vraiment, Maribi, miyabl miya. Et là, on va commencer par cette partie. Donc là, on retrouve les toilettes. Là, il y a la chambre à coucher avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Un truc important, le bien, il est vendu dans l'état meublé. C'est-à-dire la propriété va prendre acquis que des affaires personnelles, mais en gros, tout, voilà, tout reste. Et là, je pense que cette salle de bain va vous rappeler un bien que j'avais en vente, qui a été vendu, dans ce style bleu, voilà, bleu et blanc, à Tamboart, qui a été vendu il y a longtemps, par les propriétaires même. Et là, c'est moi, Coco. Donc, là, on retrouve la salle de douche, toilette, BD. Ensuite, voilà, ensuite lave-main. Franchement, c'est propre. Voilà, et là, je sors, il y a un petit, voilà, petit coin placard pour poser les clés ou la déco, machin. Et là, on retrouve la grande pièce là, avec le petit coin salon. Les proprios, voilà, le propriétaire, ils ont créé un petit bureau là dans le fond. Voilà, c'est un petit coin bureau. Voilà, oh, ça c'est français. Voilà, et là c'est le coin salon, cet grand espace là ouverte. Après peut-être il y a une qui vont dire oui la maison est trop chargée, bah pouvez voilà tout ça se discute, c'est pas ça reste de la déco, c'est pas casser le mur etc. Et comment dirais-je, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Et là, il y a encore un petit coin où, voilà, pour travailler, pour manger, voilà, on va dire c'est une salle à manger en même temps, salon, c'est un petit coin salon. Et là, on retrouve la cuisine. Donc, le bien, il est vendu dans l'état tel qu'il est. Là, on a l'accès à la terrasse directement. Se faire des barbecues, manger dans la véranda, manger à l'extérieur avec des amis, de la famille. À Marivan! Voilà. Donc la maison et nos R+, R+1. C'est bien ça. Avec autorisation. Voilà, c'est construit avec autorisation. Et Autorisation. vous l'avez acheté en quelle année? 2007. 2007. Donc la maison, elle était achetée en 2007. Par contre, pas dans l'état où il est actuellement. C'était en plein pied avant. Non, non, il y avait quand même l'étage, mais tout a été cassé et rénové. D'accord, marocain. Vous l'avez rendu un peu, Oui, voilà, vous avez c'est mon rafraîchi. mari qui lui a fait tout ça. D'accord. Enfin, qui l'a fait faire. Voilà. Voilà. Ensuite, là, à l'extérieur encore, donc en bas de ces escaliers, on retrouve encore le coin de rangement, véranda, buanderie, on va dire, machine à laver, ballon électrique, voilà, tout petit bazar.
Voilà. Et ensuite, donc là, en fait, un truc important pour les gens qui veulent installer une piscine, c'est vraiment faisable, car il y a vraiment de l'espace. Voilà, et c'est ce que je dommage que le propriétaire n'était pas intéressé d'installer piscine depuis qu'ils sont là, puisqu'il y a la plage à pied. Et là, il y a la plage pas loin. Donc je comprends. Après, voilà. Chacun voilà. Pense comme il le veut. Mais moi, je trouve quand même que c'est dommage qu'il n'y ait pas une piscine d'installer par rapport au concept et tout ça. Ça aurait été super avec une piscine. Après, il y a moyen de la faire. La piscine, il peut coûter entre 15 000 euros et 13, entre 13 et 15 000 euros. Donc là, je vais vous montrer l'étage. Restez là. Suivez-nous. Car Mohamed, il vous emmène toujours des bonnes affaires. Je pense. Donc là, l'étage, on retrouve les toilettes avec le bered. Voilà. Et là, donc c'est la tour du patio du rez-de-chaussée. Et là, on retrouve une salle de bain séparée. Touche à l'italien, franchement propre, avec un petit placard, etc. Ensuite, là, on retrouve la première chambre. Alors là, il y a quelques petits travaux de peinture à faire à l'étage. Là, juste la peinture, c'est pas des fissures, c'est pas. Voilà. Je vous montre tout ça. Ce que j'aime bien, qu'on s'éclaire pour tout le monde. Voilà. Donc là, en fait, voilà, c'est que la peinture qui a craqué. Voilà. Mais c'est. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'humidité, c'est sec. Donc, chambre avec placard. Donc, à l'étage, on a trois chambres et au rez-de-chaussée, on a une chambre. On a une chambre au rez-de-chaussée et puis on a trois chambres au premier étage, plus le toit-terrasse. Donc là, on retrouve encore la seconde chambre au premier étage. Pareil, tout reste. Donc, chambre avec placard. Et là, on retrouve la troisième chambre, pareil, avec placard. Pareil, il y a la peinture, voilà, il y a la peinture à refaire. D'ailleurs, pour faire les trois chambres, 200 euros. 200 euros les trois chambres. Et ça, je peux vous le faire sans problème. Mais par contre, ça, c'est vraiment, pour moi, quand il y a des petits trucs comme ça, je préfère dire que non, laisser ça, on va le faire. Et négocier le prix vraiment à fond. Et avoir le bien pour un prix vraiment très, très. On va dire, voilà, faire une bonne affaire par rapport à ça. C'est-à-dire mieux négocier le prix. Et là, on retrouve le toit-terrasse. Alors, je ne vais pas filmer tour. Mais je peux vous montrer. Voilà. Donc là, c'est la tour. Là, c'est la terrasse. Donc, si je montre pas ça, c'est que il y a vraiment une raison. C'est qu'il y a des gens, dès que tu montres le tour de la maison, ils vont chercher. Donc, ça, c'est le jardin. Les escaliers. Et là. Là, il y a la tour et les terrasses qui sont tout autour de la maison. Donc là, on est sur le toit-terrasse. On a la plage pas loin. Voilà. Excuse-moi pour le fait que je n'ai pas clairement montré la terrasse. C'est qu'il y a j'ai encore eu un coup il y a 2 semaines. Si j'ai filmé une maison et par hasard, il a été vendu alors que il n'a jamais eu de visite. Et les gens qui ont acheté, je ne les connais pas. Donc ils ont vu, sont venus, ils connaissent la région. Ils ont cherché, ils ont trouvé les propriétaires, ils ont signé. Et je ne peux rien faire contre eux parce que j'ai pas de preuves comme quoi je les connais. Et
Voilà, je n'ai pas d'exclusivité. Voilà. Donc, pareil sur ceci, je n'ai pas d'exclusivité. Mais ce que je peux vous faire par rapport à ce bien, c'est que je peux vous avoir un prix vraiment très, très, très intéressant. Comme je vous ai expliqué, la maison, ils en vendent sur d'autres sites à 150, 160 000 euros. Moi, je l'aurai à beaucoup moins que ça. Visitez la maison, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi des offres et moi, je négocierai vraiment à fond. On va faire une affaire ensemble. Parce que si vous faites affaire et vous achetez, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait une affaire de vendre le bien et un prix correct, je gagne bouche à l'oreille car les gens qui vont acheter, ils vont encore en parler à leur famille, à leurs proches, leurs amis qui vont vouloir passer par moi et c'est comme ça, je gagne beaucoup. Voilà. Donc, je fais un petit résumé. Donc, la maison, il est situé sur la région, dans la région d'Agadir. La maison est d'une superficie, la propriété est d'une superficie au sol de 308 mètres carrés. 308 mètres carrés. La partie construite, on part de 130 mètres carrés par niveau. C'est-à-dire on est dans les 260 mètres carrés. 260 mètres carrés habitables. La maison est composée de niveaux. Rez-de-chaussée contenant une chambre, salle de bain, toilette séparée, une grande pièce à vivre, salon, véranda, espace barbecue, un petit coin bureau. Ensuite, premier étage avec un accès indépendant. Et ensuite, trois chambres, salle de bain, plus un toit terrasse et un grand jardin dont on peut installer une piscine vraiment facilement dans cette partie-là et en gardant quand même la partie petit coin jardin quand même en plus de bougainvillée qu'il y a tout autour de la propriété comme vous le voyez c'est vraiment tout autour voilà. Donc la piscine, vous pouvez l'installer là, vraiment très facilement. Et là, on peut mettre une piscine de, on va dire, allez, 9 sur 5 ou 9, 10 sur 5 ou 4 sur 8 ou 3 sur 8, très facilement. Ou sinon, faire carrément un petit couloir de nage, mais plus long, c'est-à-dire 2,50 sur 13 ou 14 mètres carrés. 14 mètres, excusez-moi. Voilà, donc si vous avez besoin de d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro suivant, le 00212-6-78-54-70-96. Je répète, 00212-6-78-54-70-96. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas, contactez-moi au plus vite la maison sur d'autres sites. Moi, je l'ai beaucoup moins cher que sur, les autres sites. Je peux vous aider à l'avoir pour un prêt cadeau, un prêt très correct. Car je les connais très, 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 très bien. Et on pourra faire une affaire ensemble. Quand je parle ensemble, c'est-à-dire moi et mes abonnés et les gens qui me suivent et les acheteurs, les gens qui sont intéressés, sérieux d'acheter, ils peuvent vraiment faire une affaire sur ce bien. Je vous rappelle que le bien, il est vraiment pas loin de la mer. C'est-à-dire on parle vraiment de 7 minutes à pied de la mer. Toute proximité, restaurant, poisson, boucherie, tout, hôpital, tout, médecin, il y a tout vraiment à côté. Vous êtes en centre-ville, centre du village, pas loin de la mer. Si vous voulez faire du Airbnb, c'est un petit coin vraiment très réputé. Surfeurs, retraités, les golfeurs qui sont en location là, qui viennent en location à partir de septembre jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire pour faire du Airbnb, c'est vraiment l'idéal.
pouvez habiter au rez-de-chaussée puisqu'il y a déjà une chambre, habiter le rez-de-chaussée et faire location de 3 chambres à l'étage puisqu'il y a une entrée indépendante et il y a les escaliers pour monter à l'étage directement. Et là, les gens peuvent venir manger à la véranda par exemple, si vous voulez vous faire à manger, etc. La maison, elle est vraiment pratique pour tout. Et si vous voulez passer votre retraite, rentrer de l'étranger, ou changer de ville au Maroc pour venir ici, c'est vraiment l'idéal. Je dis l'idéal. Les maisons avec piscine, il n'y en a pas beaucoup dans ce coin. Je vais vous laisser pour cette vidéo, car je trouve que c'est un peu lent. Je vais vous remercier de nous avoir suivis dans cette vidéo. Merci, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.